7 juillet 1872, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud débutent leur long vagabondage en passant par la Belgique, mais aussi l'Angleterre. On disait à l'époque d'un bavard insipide et prolixe qu'il était un robinet d'eau tiède. Voilà, je trouve ça excellent. Je vais vous faire un petit exemple, comme ça on va bien comprendre la chose dans son contexte. Zélie ? Espèce de robinet d'eau tiède ? Ça va pas. J'ai trouvé ce spectacle vraiment intéressant et puis nouveau, porté par des jeunes femmes, et d'autant que c'est un spectacle qui a trait à la, qui s'accroche à l'actualité et à l'écologie, à l'eau. Le thème c'était l'eau et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, a priori le public aussi. On ne pouvait décemment pas faire un édito sur l'eau sans parler d'une information qui a été très présente dans les médias ces derniers temps, à savoir la question des méga-bassines et plus récemment la dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre. C'est impossible, nous sommes en France, voyons.